Yo tout le monde, c'est Unet Production pour une vidéo en mode Hockey Ultimate Team pour l'épisode 16. Et donc aujourd'hui, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je pense pendant une vidéo dessus une soirée sur Code, je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. Vous avez peut-être vu, j'ai joué un peu plus de games, c'est juste pour vérifier de quoi. J'ai joué deux games, je pense, en ligne, sinon les autres étaient en solo. Et c'est donc pour ça. Oui. Comment ça, j'ai mon équipe a aussi boosté que ça dans les derniers temps. C'est tout simplement parce que mon ami me donnait son équipe parce qu'il a arrêté de jouer. Donc, il voulait donner son équipe pour la vendre. C'est. Je voulais juste voir, je vais juste rapprocher le micro, donc ça se peut que ça fasse un peu de bruit. Donc oui, il voulait vendre son équipe ou la donner. Donc je me suis proposé. Il me l'a donné. Il n'y avait pas grand joueur, il y avait Gaborik, sinon il y avait Jeff Carter, je pense que c'est deuxième plus cher. Sinon c'était tous des joueurs à 3-4 000. Mais ça m'a quand même donné 50 000, ce qui fait que je pense pas que ces gains étaient là. Tavares, je l'ai acheté en vendant à Rick Nash, qui avait descendu. Vraiment descendu, t'es rendu peut-être à 40 000. Perry, je l'ai acheté. Ben, j'ai revendu pas mal beaucoup de joueurs. Donc, je crois le seul joueur qui reste encore du dernier effectif, je pense, c'est McKinnon. Je sais pas si Vanek. Ben, Pacioretty, je pense que oui. J'avais déjà du chain, mais c'est pas le même, je l'avais vendu. Puis là, ben, je trouvais qu'il manquait un peu de vitesse dans mon équipe. Donc, je l'ai pris. Puis là, mon ordi a commencé à faire du bruit tout de suite quand je fais la vidéo. Ça fait chier. Aïe, je me suis pété le doigt. En défense, je me suis acheté McDonough, Falk, Johnson, Edman en sort de la semaine. Et je me suis fait une petite gâterie en m'achetant Ekblad. Je l'aime bien, puis Kulikov, j'avais déjà. Puis je l'ai gardé côté goaler, j'ai rien changé. Donc, je vais starter une game. Je vais juste voir, je suis rendu à combien de temps d'enregistrement. Ben, voir toute la vidéo là pour voir. Je sais pas si je vais faire les playoffs Coupe Elite avec vous. Ouais, je pense que oui. Je pense pas qu'il va y avoir de vidéo. Je pense pas que vous auriez eu une vidéo de une soirée sur code parce que j'ai pas vraiment le temps de tourner la vidéo. Et à part si demain j'ai le temps, mais sinon t'as-tu un chandail qui a de l'allure? Je vais quitter parce que je veux pas jouer contre des gros chandails parce que j'ai pas une grosse équipe. Ben, j'ai Pacioretty qui est gros, Perry un peu, Kreider, Radulov, je l'ai pas encore essayé. Semin non plus, mais Semin, je sais quoi m'attendre. Côté def, non plus. Ben, c'est quand même gros, là. Johnson, Falk, Edman. McDonough, il est pas si gros que ça, mais il plaque quand même. Puis Ekblad, il est gros. Mais, les chandails sont plus gros. Les joueurs sont déjà plus gros que la normale. Ok. On espère. Une game chargement en cours. Bon, lui a beau chandail. Ça ferait chier s'il y avait un Crosby comme Crosby, Daxo, puis Ovechkin comme premier trio ferait chier. Mais avec son nom, je crois peut-être que Crosby a 87 87 87. Où mon casque? Je vais mettre mon casque. Je suis prêt. Ça dépend de lui. Son équipe a pas l'air assez boostée que ça. Couture. J'ai vu Marleau. Ok, il a l'air d'avoir une équipe basic un peu. À part s'il cache son jeu en dévoilant les mauvaises cartes. Oh oui, McDonough.
pour célébrer, ben, je vais prendre une petite gorgée de Gatorade. Donc, comme je vous avais dit, si vous voyez cette vidéo-là vendredi, c'est parce qu'il n'y a pas de vidéo sur code cette semaine parce que j'ai pas le temps d'enregistrer. Parce que je crois faire peut-être des vidéos maintenant de une demi-heure, 45 minutes sur code parce que une soirée c'est quand même plus long que 20 minutes. Je suis pas pour faire 3 heures de vidéo non plus pour une soirée là. J'ai vu pas charity là bon. Top corner. Oh poteau. Oh merde. Oh la petite fin de Endman. Comme donc oui, c'est ça que je disais. Je pense faire des vidéos, les vidéos sur code un peu plus longtemps que l'habitude. Si faut que je la sorte pour vendredi. Ils vont avoir la sortie, la vidéo va sortir tard le vendredi. Parce que là, pour l'instant on est mercredi. Et demain j'organise de quoi. Et après faut. Oh merde. Pendant que je vais faire le rendu de cette vidéo là, je vais upload l'épisode 11 et 12 pour demain. Cette heure-là, ben la 11 est pas encore sortie, mais déjà upload. J'attends de la sortir à. Je pense qu'elle sort à 5h ou 6, 5 ou 6. Oh, il est là, Radulov. Merde. Je voulais y faire la pause, mais. Galchenyuk, je l'aime bien. Ok, on va essayer de bloquer la passe. Ok, belle save de Lehtonen. Donc, oui, comme vous avez pu voir dans les deux dernières semaines, j'essaie de sortir 7 vidéos par semaine, ben donc une par journée, même si je vais à l'école d'été. Ben au moins, on n'a pas de devoir puis on fait pas grand chose, donc j'ai le temps pour réfléchir. Un beau but, c'est un beau but ça. C'est ça, donc j'ai beaucoup plus de temps pour réfléchir quelle sorte de vidéo que je peux faire. Parce que ben, je ne juge pas en cours parce qu'on fait pas beaucoup de choses. Juste pour vous dire, ça ressemble à quoi. Ils nous donnent des travaux, on les fait. On finit, ben, on fait ce qu'on veut. Puis des fois, ben, notre première période, c'est juste pour vous dire, c'est 2 heures la première période. C'est beaucoup. À 2 heures, puis. Peut-être les travaux qu'ils nous donnent, c'est peut-être pour 45 minutes environ. Puis on a le corrigé avec nous, donc on les corrige nous-mêmes. Puis ils nous ordonnent peut-être des fois d'autres travaux, mais c'est rare. Puis ils nous laissent faire ce qu'on veut. Tant qu'on ne dérange pas les autres, donc tout le monde est sur leur cell ou iPod. Puis pendant ce temps-là, ben j'écoute des films. Puis ben j'essaie de réfléchir à des idées de vidéos. Ce qui m'a donné une idée de faire des vidéos sur code parce que. Ben maintenant j'y joue plus ben mais j'avais le goût de faire des vidéos sur d'autres jeux de NHL. Puis NBA, ben je peux vous dire que je suis quasi sûr à 99% que vous allez plus avoir de vidéos. Même si c'était pas ben, était pas plus apprécié que ça. Y'a pas du monde qui était dessus, mais disons que ce jeu-là avait moins de cotes envers NHL sur ma chaîne. Même code bat pas ben les records que j'ai sur mes vidéos de NHL. Bat pas mes stats de NHL, mais je fais pas des vidéos pour. Déjà pas pour l'argent, parce que c'est impossible. Et je fais ça par plaisir. Oui! Oh! Bof, Radulov, il est bof. Pour ce prix-là, j'aurais mieux aimé avoir un autre joueur. Mais je sais pas qui, donc on va laisser faire. Oh. Ben, on peut. Si vous avez une idée pour savoir contre qui je peux remplacer Radulov. Parce que, bof, je le voulais vraiment, puis il n'a pas l'air si bon que ça. Dites-moi contre qui je pourrais l'échanger.
Sur PS3, je sais pas combien il vaut, là, mais juste pour vous dire, en ce moment sur Xbox, aujourd'hui il vaut environ 35 000. Donc dites-moi, je vois à peu près 35 000 qui pourrait bien remplacer Radulov. J'avais pensé à Molson en sort de la semaine avec les Sabres à 91, mais en ce moment il se vend à 60 000, donc je vais attendre qu'il baisse un peu de prix. Ou Eakley. Et Danny Eakley, là. En sort de la semaine à 90. Il est, ben, là, il, ça, je, hier, il était à 100 000 quand il est sorti. Là, je sais pas son prix, il est sûrement descendu. Parce que j'ai vraiment pas d'idée qui. Oh, peut-être Marleau en sort de la semaine. M'intéresse quand même. Pas Charity, je t'ai vu. Oh, come on. Prendre une petite gorgée parce que je commence à avoir la gorge sèche. Bon. Donc, quel autre sujet je peux vous dire? Oui, pour les vidéos sur code, je vais changer un peu, pas le rythme de vidéo, mais la façon de commenter. Vous allez voir dans la prochaine une prochaine soirée sur code, soit ça c'est soit donc ben vous l'avez sûrement vu hier alors que je vais poster, ben, la journée que je vais mettre la vidéo, ou ben aujourd'hui. C'est un méchant glitch goal que j'ai essayé de faire là. Genre, je l'ai pas eu. Oh yes, ça c'est un beau but, le genou à terre là. Mérite la reprise, même si le gars va peut-être hate là, mais c'est pas grave. Vous allez voir, soit dans la vidéo d'hier sur code, ou la vidéo, ah, c'est beau but à genoux, soit la semaine prochaine, oui. Puis ben, si vous avez pas vu la vidéo de code hier ou aujourd'hui, parce que ça dépend, comme que je dis, oh non, pourquoi j'ai pas tiré? Comme je dis, vous allez soit avoir cette vidéo-là vendredi. Donc, si vous l'avez vendredi, pas de code. Si vous l'avez samedi, c'est parce qu'il y a eu un petit code, puis vous l'avez sûrement regardé. Si vous regardez les vidéos que je vous propose, ben pas je vous propose, mais je vous dis d'aller regarder. Peut-être pas les deux premiers épisodes, c'était pas bien ben intéressant. Mais les prochaines, ils vont être beaucoup plus intéressants. Puis je vais plus m'impliquer pour mon meilleur game, puis vous allez comprendre pourquoi. Mais je vais changer le style de commentary dessus. Ça va être plutôt fun, puis c'est une série que je voulais starter depuis longtemps. Si vous êtes, si vous allez aimer ce style-là, dites-moi là, sinon je vais recommencer comme les anciens commentaries sur les deux premiers épisodes. Mais arrêtez de parler de code. Oh! Yes! Calice. Je vais juste me crisser en. Pour pas voir les notifications parce que c'est fatigant. Ah, j'ai eu de la justesse. McKinnon. Rentrer dans un petit trou. Bon, si vous voulez voir Ekblad en objectif, il ressemble à quoi? Ben, c'est lui qui a rondelle. Même moi, je le reconnais pas souvent. Je le reconnais pas ben, c'est juste quand il dit son nom. Merde. Je l'ai trop niaisé avec. Ah, la petite feinte, on voit son shot pour les intéresser. Ah. Il a pas l'air d'avoir un très grand niveau l'autre bord, le gars. Mais c'est ça. Faut pas se vanter d'avoir d'être bon à un jeu ou être bon dans quoi du coup. Parce que ça passe mal de nos jours de se vanter. Surtout qu'il faut toujours dire qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous dans le quoi. Oh, mais. Oh! Quoi? Come on, Gabo. Come on. Ben, au pire, je peux savoir de quoi vous parlez. Peut-être un autre petit sujet.
Là, je me suis pas fait de liste à quoi vous dire parce que ben, ça servait pas à grand chose. Le gars, il a tiré dans le big window comme un épais. Ah ouais, pas de show. Donc, pour la programmation de vidéos pendant la semaine, ben, du lundi au jeudi, j'essaie de faire du DG parce que ben c'est sûrement le mode, pas que j'aime le plus faire, mais que je me trouve plus détendu quand je fais. Et le vendredi, ben, c'est du code. S'il y en a cette semaine, ben, c'est la série qui est pas certaine de rester là. Puis ben samedi, dimanche, c'est du Hockey Ultimate Team. Parce que ben c'est sûrement les vidéos que vous aimez le plus. Mais avec la série qu'on fait en ce moment, c'est pas la série qu'on peut faire le plus de vidéos dessus. Parce que jouer tout le temps des games, c'est le fun à regarder, mais à long, si t'as plus d'objectifs à faire, faudra patienter. Ah, j'ai un narine qui me chatouille. Johnson one-timer. Oh non, trop en avant la passe. Merde. Ok, on va essayer de la passer en arrière du net. On va évanouir. Oh, je sais pas quoi faire. Oh merde. Dans le coin de cet écran-là, je vois pas le bout de micro cache. Donc, je vais juste descendre l'anti-pop, mais on va peut-être mieux trop entendre, donc on va essayer de faire. J'ai assez de. J'ai arrangé un peu. Non. Groupe sanguin, Tyler Seguin. Blague de merde. Oh, j'allais faire la passe à Radulov là, pour qu'il réussisse à scorer. Mais il me lâche pas lui, hein. Ouf, j'allais faire un méchant glitch goal. Oh. Groupe sanguin, peut-être capable de scorer. Ouais, Johnson! Oui! Tavares encore. Je l'avais pas réussi tantôt le one-timer, mais là je l'ai réussi. Oh! Je crois que je me suis amélioré depuis que j'ai repris le mode Hockey Ultimate Team. Je crois que je me suis repris. Je me suis amélioré. Ah, il a quitté. Ah, bravo. Bon, on peut voir les statistiques en attendant. Bon, qu'est-ce que ça a donné côté points? Tavares, 4, 2 buts, 2 passes. De loin, mon meilleur joueur. Johnson, une passe. Paturity. McDonough, un but. McKinnon, un but. Edman, Gabarix, une passe chaque. Plus moins, je crois pas que. Bah, il y a semaine, Shane Kreider. C'est pas si grave que ça. 20 tirs contre 6. Temps d'attaque, c'est plutôt serré. Minute de pénalité, il me bat complètement. Mise au jeu, ça m'étonne pas qu'il soit devant moi. On n'est plus qu'à 2 victoires du. Ben, des champions. La ligue. Donc, il nous reste 3 matchs donc en plus à jouer. Je vais voir s'il reste des comptes. Ben, s'il y a des joueurs qui ont plus de contrat. J'ai vu Lehtonen, Goller. Puis Duchesne. Lehtonen. Un petit 13 matchs. Côté défense, il n'y a rien. Donc oui, je vais vous montrer les joueurs que je suis intéressé. Par qui je suis intéressé. Richard. Non, il vaut pas la peine, lui. Par Molson. Puis Eakley. C'est pas dire beaucoup trop cher. Puis ben c'est ça, Radulov vaut 35 000. On va aller voir le prix avec vous. Un tireur d'élite Russie.
Qui ont rien là-bas. 30 000 ici. 70 000, 35. Ok, ouais, c'est ça. Vous allez autour de 30 000. Et du côté, on peut les voir. Pas Boston, Buffalo. Pour Molson. Qui ont 50 000. Donc, oui, je crois que si on va attendre, on peut attendre un peu. Puis il faut descendre peut-être à 30 000. Je n'ai vu un à 49 000. Côté Clay. Lui, c'est un bonheur. On a un avant-fort. Non, ok, je sais pas partout c'est un quoi d'abord. Je pense pas c'est un tireur d'élite. Ah oui, tout ça en est un. 80 000, donc ouais, lui aussi je crois qu'il va descendre. Mais il a pas l'air de vouloir descendre pour l'instant. Donc réfléchis-y, CC. Ouais, ça se dit pas. Réfléchis-y. Réfléchis-y. Non. Pensez-y dans le fond. Arrêtez de. Ça donne des mots trop compliqués pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, pour l'épisode 16 du mode Hockey Ultimate Team, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc, je vous dis ciao bye tout le monde et à la prochaine.